Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, mes recommandations, cadeaux de Noël pour l'année 2023. Alors, si vous faites partie de ces chanceux qui ont déjà tout bouclé, eh bien franchement, chapeau bas, je vous dirais. Mais si vous êtes un peu comme moi et qu'il vous reste des cadeaux à faire, que vous n'avez pas l'idée parce que ben on veut toujours le cadeau spécifique qui va changer. En plus, on veut forcément, on veut changer, on ne veut pas se retrouver à avoir à offrir le même cadeau que l'année précédente. Vous vous rendez compte? L'horreur. Et puis bon, c'est maintenant de plus en plus compliqué de faire, je trouve, le cadeau qui va faire vraiment plaisir, vraiment qui va toucher. Moi, c'est ce que je trouve. Et alors, si vous avez des gens, comme dans ma famille, eh ben, je vous dis bon courage, hein, parce que moi, j'en ai deux, qui, à chaque année, c'est une vraie galère de trouver le cadeau qui va faire plaisir, mais qui à la fois va intéresser. Voilà, c'est toujours très très compliqué. Mais bon, on y arrive. Mais c'est quand même difficile. Donc je me suis dit que peut-être je pourrais vous aider. Mais avant de commencer cette liste, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et puis laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si vous faites partie des gens qui ont déjà bouclé leur liste de cadeaux, ou si vous êtes comme moi, ou vous êtes encore toujours à la recherche d'un ou deux cadeaux de dernière minute. Pareil, dites-moi en commentaire, qui c'est qui a inventé le Père Noël? Dites-moi un petit peu si vous le savez. J'aimerais bien savoir combien de personnes savent ça. Dites-moi un petit peu. Bon allez, sur ce, j'enfile mes lunettes. Et on commence cette liste parce qu'il y a de quoi faire pour les grands et les petits. Alors, j'ai tout noté sur mon téléphone pour ne rien oublier. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens des sites. Si un cadeau vous donne envie, vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien et vous serez directement dirigé sur la page. Alors, on va commencer par les idées cadeaux. Enfin, là je vous ai trouvé sur le site Monster Cadeau. Alors je ne connaissais pas du tout. Là il vous propose des trucs vraiment sympas. Il vous propose un planétarium Saga Toy projecteur de ciel étoilé blanc. C'est super bon. Franchement, si votre enfant, votre nièce, votre neveu, tout ce qui est la galaxie l'intéresse, ça c'est un très très bon cadeau. Parce que vraiment, ça se projette dans sa chambre. En plus, ça fait une petite lumière d'ambiance. C'est très joli. Dans la même catégorie, il vous propose la lampe galactique lune. Donc là, c'est la lampe galactique lune. Sur ce site aussi, j'ai trouvé un globe flottant avec éclairage LED. Je vous jure, je vous montrerai. De toute façon, cliquez sur les liens, vous verrez. C'est superbe. Alors, franchement, on dirait vraiment que ça flotte. Il est superbe, ce globe. Pareil. Je trouve que c'est un cadeau vraiment sympa pour les enfants. Donc ça, c'est tout sur Monster Cadeau. Après, ce qui peut être sympa, si votre enfant s'intéresse aux livres, vous pouvez acheter une box livre. Et après, en fait, chaque mois, en fait, c'est un abonnement. Et chaque mois, il recevra dans sa box de nouvelles histoires, de livres. Franchement, je trouve l'idée super bien, je trouve ça excellent. Je vous propose aussi un atelier créatif. Donc, c'est un site qui propose des ateliers créatifs artisans, avec des artisans. Donc, vous pouvez aller avec votre enfant. Mais si votre enfant s'intéresse à un métier ou qu'il est curieux, ça peut être super sympa. Après, vous avez les boîtes à histoire. Alors ça, je trouve ça fun parce qu'en plus, le design de la boîte à histoire, c'est un vieux radio, une vieille radio. Je la trouve trop mini et je trouve ça vraiment
Excellent. Sur le site, vous allez voir, vous avez soit la boîte à histoire où déjà les histoires sont incluses dedans, où il y a plusieurs histoires, mais sinon vous avez la possibilité de faire la boîte à histoire avec votre enfant en lui faisant, eh ben, c'est lui qui va choisir les personnages, le lieu, les objets, tout ça. Donc il peut se créer sa propre histoire et la vôtre. J'ai trouvé aussi, alors là c'est pour les plus grands, on va dire, ouais, plus grands parce que c'est le Scrabble Harry Potter. Harry Potter, en règle générale, c'est vrai que c'est rare, mais hein, on est d'accord, on fait jackpot, surtout quand on a vers la dizaine. Hein, Harry Potter, ça reste quand même quelque chose que les enfants aiment. Alors en Scrabble, c'est superbe. En plus, ça peut être pour toute la famille. Une soirée société. J'ai trouvé sur Amazon des puzzles. Alors c'est de la marque Janotte. Alors c'est une marque française. Les puzzles sont fabriqués en France. Et sachez que l'encre est végétale. Donc c'est super. Vous avez plusieurs puzzles, plusieurs thèmes. Et vous les trouvez tous sur Amazon. Donc si votre enfant est intéressé par les puzzles, puzzle c'est bien pour la concentration. Moi, j'ai trouvé une marque, un site qui s'appelle Radis Capucines. Et Radis Capucines propose des kits de jardinage urbain, des kits de cuisine, des kits de brassage de bière. Bon, ça c'est pour les adultes, on est bien d'accord. Des kits cosmétiques et des jeux pour enfants. Voilà. Sachez que Alors, c'est une marque qui est française aussi et qui se consacre vraiment sur tout ce qui est bio. Donc dans cette marque, j'ai trouvé un kit à plantes carnivores. Je trouvais l'idée super sympa. Vraiment, plantes carnivores, ça me fait penser à James et Conquérant. Je sais pas si... Oh, j'ai l'impression d'être une has-been, mais bon. C'était un des animés que j'ai connu étant jeune. Et vous aviez les plantes carnivores. Donc là, vous Et avez... aussi, ben, je vous disais, j'ai trouvé aussi le kit de jardinage, si vous êtes en appartement et que votre enfant a envie, aime le jardinage et tout, ça peut être super sympa. Alors, Nous en avons terminé avec les enfants, on passe aux femmes. Pour les femmes, je peux vous proposer bien sûr un coffret de parfums ou de soins. Sachez, je vous redis que chez Radis Capucines, vous pouvez même avoir des coffrets de soins bio, où vous pouvez même avoir, il y a des coffrets où vous pouvez fabriquer vos propres cosmétiques. Un bijou personnalisé, ça, à tous les coups, on est bien d'accord, ça fait toujours plaisir. La petite attention. Exemple, idée de beaux bijoux, vous pouvez aller sur le site Aglaya. En plus, ils ont fait une collection avec la youtubeuse Les Bonheurs de Camille. Le bijou personnalisé, ça touche, à moins que votre femme, votre compagne, votre soeur, votre mère n'aime pas du tout les bijoux, mais ça, vous êtes sûr que c'est ticket gagnant. Un cours de cuisine ou de pâtisserie. Alors, ça se fait beaucoup sur Paris. J'ai trouvé, je vais vous mettre des sites où vous pouvez prendre des bons pour un cours de cuisine, un cours de pâtisserie. Bon, voilà, ça se fait énormément sur Paris, mais vous pouvez sélectionner votre région, vous pouvez sélectionner votre budget, tout ça. Là aussi, un abonnement à une box beauté, pourquoi pas. Ça peut être aussi une idée si la personne n'a pas le temps, qu'elle s'intéresse, mais des fois, hein, faut elle ne sait pas trop par quoi commencer. Alors quand je dis femme, ça peut être aussi jeune fille, voilà, c'est pour ça. Les box beauté. Ça aussi, ça marche bien. Un livre ou un coffret de la série préférée. Alors ça, livre ou coffret, c'est pour les hommes et pour les femmes. Hein, je veux dire, voilà, ça, si votre conjoint, conjointe, mari, mère, père, bon, vous m'avez compris, aime lire, eh ben, un livre, de beaux livres qui, des fois, ben, les beaux livres, les très très beaux livres peuvent coûter un petit peu coûteux. Donc c'est l'occasion à Noël comme aux anniversaires d'offrir un beau livre à la personne qui aime ça, comme un coffret de sa série
fétiche, hein, si elle est fan d'une série. Un coffret de thé ou café, si la personne est amatrice de thé ou de café, vous pouvez trouver facilement maintenant des coffrets découvertes et tout ça. Ça peut être vraiment sympa. Là, j'ai trouvé deux sites. Ça s'appelle Steak Caution et Fun Pass. Donc, ça va revenir sur le cadeau que je vous disais, un cours de cuisine ou un cours de pâtisserie. Donc là, en fait, c'est des cartes cadeaux. Donc, ce sont deux sites où vous pouvez prendre une carte cadeau à la personne sur une activité, un loisir ou quoi qui l'intéresse. Donc pareil, vous choisissez. Alors, Steak Caution, ce que je vous disais, c'est surtout sur Paris. Fun Pass, il propose, ça va dépendre un peu, faut un peu regarder selon les aménagements. Et puis, livre de recettes, que ça soit un homme ou une femme. En fait, je vous ai dit ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadeaux qui sont pareils, hein. Un livre de recettes, c'est vrai que je trouve que maintenant les gens reviennent plus à la cuisine, aiment faire la popote et tout, donc un beau livre de cuisine, c'est toujours toujours super sympa, je trouve. Et j'ai trouvé, alors ça, je vous le dis, c'est j'ai regardé sur YouTube une vidéo de Laurette et elle m'a donné l'idée de cette Donc en fait, c'est une créatrice qui crée des savons et ça s'appelle Flo la Savonnerie. Donc ce sont des savons artisanaux, vraiment éthiques et vraiment, ils sont magnifiques. Elle vous fait des savons, mais vous n'avez pas envie de vous laver avec. Et vraiment, je me suis dit, il faut que je vous en parle. C'était obligé tellement j'ai trouvé ça magnifique. Et on finit avec vous. Les messieurs, alors pour vous, je vous ai trouvé un coffret de soins de la peau de la marque Horace. Après, je propose pour les hommes une montre de la marque G-Shock ou un coffret découvert de soins de visage. Oui, ben on le sait, hein, maintenant, c'est pas réservé aux femmes, on est bien d'accord. C'est pour tout le monde. Et c'est de la marque Typologie. Alors, Typologie. Pareil, j'aurais pu en parler pour les coffrets pour les femmes. C'est une marque vraiment au top, très engagée. Elle fait vraiment les choses correctement. Je pense que vous connaissez la marque Typologie. Vous en avez entendu parler de tous leurs soins. Vraiment, ils mettent vraiment le minimum dans tous leurs soins, mais pour un maximum de résultats. Pourquoi pas, tu avais la montre aussi. Ice Watch, voilà, qui peut aussi, si la personne court, si elle a besoin vraiment, si elle aime ce genre de montre et qu'elle n'a pas eu l'occasion de se la prendre, pourquoi pas. Alors, si votre homme, votre frère, votre père aime les chaussures, j'ai trouvé un livre complet consacré aux sneakers. Il a l'air magnifique ce livre. Vraiment, il est super beau et il y a plusieurs tomes en plus, j'ai vu. Donc ça peut être sympa. Ça peut être une très bonne idée de cadeau. Pas courant en plus, je trouve. Donc vraiment sympa. Comme je vous disais, si c'est un fan de PlayStation, une carte cadeau PlayStation. Alors, un coffret pour prendre soin de sa barbe. Hein, messieurs, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans la mode de la barbe. Donc, pourquoi pas vous offrir un kit, un coffret pour prendre bien soin de votre barbe. Une boîte à outils si ben, la personne aime bricoler, faire des petites choses et que vous êtes d'accord, je sais pas vous, mais souvent les mecs ils vous disent ouais j'aime, mais ils perdent tout ou ils ont pas ce qu'il faut ou il va manquer ci. Là, une belle boîte bien complète, ça peut, je pense, ça peut lui plaire. Après, il faut vraiment qui soit attiré par le bricolage. Si vous l'offrez, genre, pour faire des appels de pied, comme on dit, genre, tu dois me faire ça, mais tu l'as pas fait, le cadeau sera pas très bien pris, je vous l'accorde. Si, comme moi, vous avez une personne dans votre entourage qui perd tout constamment, mais surtout ses clés, les clés de la maison, les clés de la voiture, vous pouvez lui offrir un tracker d'activité localisateur d'objets. Alors en plus c'est Bluetooth.
Quand c'est Apple, ça s'appelle un AirTag. C'est la même chose. Donc en fait, c'est un tracker qui va suivre, si vous les perdez, va vraiment vous dire où ils sont. Je ne sais pas comment. Alors, j'ai trouvé une corde à sauter numérique. Je ne savais pas. Alors ça, pareil, je l'ai mis dans la catégorie homme, mais ça peut être pour les femmes, pour les personnes qui sont très sportives. Ça donne les tours. Je crois que ça vous compte les tours de saut et tout ça, je sais Et pas. Pour finir, je vous propose aussi une platine vinyle Bluetooth. Je trouve ça magnifique, les platines vinyle. Alors, tout dépend de votre. Non, quoi que je me dis que ça peut rentrer dans tous les intérieurs. Mais une platine vinyle. En Voilà fait, pour mes recommandations de cadeaux pour Noël 2023. Alors, ce sont des recommandations, des idées. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, ça pourra aider plus d'un. Moi, j'ai fait ces petites trouvailles pour vous. Je trouvais que les idées étaient plutôt originaux, dites-moi. Donc surtout, n'oubliez pas que Noël approche à grands pas et qu'il ne faudrait pas que vous oubliez de faire vos achats de cadeaux. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle va vous aider pour les retardataires. Peut-être que vous allez trouver le cadeau qui vous manquait. Je vous mets tous les liens en description, comme ça vous aurez juste à cliquer si un des cadeaux que je vous ai parlé vous intéresse. Et puis ben, moi, je vais vous laisser là. Je vous répète, moi, mon cadeau à moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire. Sur ce, je vous fais plein 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 de bisous.